Bonjour à tous et bienvenue dans Critique Cinéma. J'allais dire bienvenue dans Jeux Rétro, mais non, c'est pas un épisode de Jeux Rétro, je vous rassure, c'est un épisode de Critique Cinéma. Et je vais vous parler cette fois-ci de John Wick 4. Donc John Wick le chapitre 4 hein, qui est sorti. Et puis franchement, je vais pas m'attarder beaucoup dessus parce que c'est vrai que ce film-là, je vais en parler quand bien. Parce que voilà, c'est pas un film que j'ai pas aimé, donc il n'y aura pas beaucoup de défauts à dire sur ce film. Et donc c'est le chapitre 4. Donc là ici vous avez la trilogie que je possède déjà. Donc bien sûr le 4 va rejoindre la collecte quand il sortira sur support. Et du coup, donc ce sont des films réalisés par Chad Stahelski. Donc Chad Stahelski, c'est lui aussi l'auteur du quatrième volet. Il a fait tous les volets. Et du coup, ce que je peux vous dire au sujet de ce film, c'est que 2h50 qui dure le 4. Donc c'est vrai, hein, la plupart des John Wick dure un peu plus de 2 heures, mais celui-là 2h50, hein, pas loin des 3 heures. Et franchement, je vais vous dire un truc, les 2h50, je les ai pas vus passer. Tellement qu'on s'y accroche dans ce film, avec l'action, les scènes de combat, les gunfights, etc. Donc c'est vraiment, vraiment génial, quoi. J'ai adoré ce film. Donc, et en plus, avec un super casting. Donc on y retrouve Keanu Reeves, bien sûr, hein, ainsi que Laurence Fishburne. Donc le duo de Matrix, quoi. Non mais voilà, Laurence Fishburne était dans les autres volets également. Donc du coup, Keanu Reeves nous épate encore une fois, et l'action à gogo. Avec une bonne histoire aussi, parce que c'est bien beau d'avoir de l'action, mais si t'as pas d'histoire derrière, ça sert à rien. Donc sinon, y a un acteur que j'adore, il joue dedans. Bon après, il joue dedans. Mais ça m'a fait bizarre de le voir comme ça. Au départ, sur le premier coup, je l'avais pas reconnu. Comme quoi, les maquillages et tout, c'est super bien fait. Mais après, au niveau du visage, quand je l'ai bien vu de près, je me dis, c'est lui. Mais ça m'a fait bizarre de le voir comme ça. C'est pour ça que cette critique vidéo sur John Wick, je vais pas spoiler. Donc je vais pas dire... Je vais pas dire à quel moment, à quelle scène on le voit, etc. Mais par contre, ça m'a fait vraiment bizarre de le voir, juste pour vous dire que cet acteur, Scott Adkins, que j'adore également, un expert également en arts martiaux, et ça m'a fait bizarre de le voir comme ça, je l'avais pas reconnu au départ, mais en le voyant de plus près, niveau visage, je me dis « Ah, putain, mais c'est lui, c'est Scott Adkins !» Ah non, mais ça m'a fait vraiment un choc au départ. On n'a pas l'habitude de le voir comme ça non plus. Sinon, ça m'a fait plaisir de revoir aussi un autre expert en arts martiaux, Donnie Yen. Alors, Donnie Yen, de le voir en espèce d'aveugle. Alors, on se demande comment il peut parer les coups, se battre, tirer, viser les gens et tout en étant aveugle. Mais bon, on dit souvent que les aveugles ressentent bien les choses. Donc, ça ressent un peu le danger. Donc, voilà, mais bon... C'est pas ça que je voulais dire à propos de Donnie Yen, c'est que je voulais dire, même lorsqu'il combat, toujours façon maîtrisée, tout. Donc franchement, Donnie Yen, franchement, ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir. Bon, sinon, on avait Bill Skarsgård. Mais bon, Bill Skarsgård, après, je suis pas trop, trop fan de cet acteur. Quand j'avais vu les chapitres remake de ça, j'avais pas trop kiffé parce que c'est lui qui fait le clown, mais... je peux pas trop dire si je suis pas fan ou fan de cet acteur parce que bon, j'ai pas vu énormément de films avec lui, mais les Ça m'avaient déçu. Je préfère largement le téléfilm de 90, mais bon, après, hein, c'est chacun ses avis. Voilà, je trouvais que le téléfilm de 90 avait beaucoup plus de charme que le nouveau. Donc, c'est question de goût, quoi. Mais sinon, Bill Skarsgård. Il faisait un très très bon rôle de méchant dans ce film et j'ai vraiment vraiment adoré, quoi. Donc c'est vrai que chacun des acteurs ont vraiment super bien joué. Les scènes de combat sont fabuleuses, les scènes d'action, les gunfights avec une rapidité déconcertante. Franchement, c'était génial. J'ai passé 2h50
mais on avait l'impression que j'avais passé une heure et demie devant le film, quoi. Tellement que le film, du début à la fin, on s'y accroche, quoi. Et de n'importe quel John Wick, parce que pour l'instant, j'aime chacun de ses volets, le 1, le 2, le 3 et le 4 que je viens de voir. Franchement, nickel, quoi. Sinon, pareil, la réalisation, elle est fabuleuse, façon comment c'est pris des côtés, les fusillades, les courses-poursuites. Il y a une scène dans Paris, bon, je vais pas la raconter parce que sinon ça fera du spoil, mais franchement, elle est géniale, une scène dans Paris, en voiture, etc. Je m'arrête là, mais pour vous dire que ça m'a fait penser juste, à un moment donné, ça m'a fait penser un peu à Fast and Furious Tokyo Drift. Donc quand j'ai regardé certaines scènes, ça m'a fait penser un petit peu au film là. Pour ceux qui iront le voir, quand vous allez voir cette scène, peut-être ça va vous faire penser à ce film là. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'avais, quoi. Sinon, les effets de lumière, elles sont magiques. Ouais, parce que à un moment donné, quand on voit un coucher de soleil sur Paris, avec le reflet dans la gueule des acteurs et tout, j'ai trouvé les effets de luminosité, mais vraiment très très belles. Franchement, rien à dire sur ça. Et vraiment, vraiment, j'ai vraiment kiffé, quoi. Donc, voilà pour John Wick 4. Je vais m'arrêter là parce que voilà, je pourrais sortir encore des tonnes de compliments. J'ai adoré ce film. Bon, bien sûr, comme dans tous les films d'action, à un moment donné, il y a quand même des scènes qui sont assez grosses, machin. Je vois les gens qui peuvent râler en disant, un peu comme les gens Fast and Furious. Mais après, il faut se dire, c'est que du cinéma, les gars. Hein? C'est que du cinéma. Mais franchement, du moment qu'il y a une bonne histoire et que ça te divertit, quoi, je veux dire, après, les scènes d'action, s'en fout, du moment qu'elles sont bien réalisées, bien faites. C'est sûr que dans la vraie vie, on verra pas ça, mais voilà, c'est que des films d'action. Donc voilà pour John Wick chapitre 4. Donc franchement, je vous le conseille, hein, il est terrible, il est topissime. Et je vais m'arrêter là pour ce John Wick chapitre 4. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Allez, ciao!